pour un haul undies de la dernière collection. Enfin, je pense que c'est la dernière collection. Vous savez, c'est la collection un peu Disney avec les phrases, etc. que je trouve top de chez top. Parce que c'est Disney, mais ça fait pas gnangnan, etc. Donc, enfin, je dis pas que c'est gnangnan, mais en tout cas, moi, j'aime pas trop quand il y a des têtes de Disney, etc. C'est pas trop mon truc. Mais là, je vous avoue que franchement, j'ai eu un coup de cœur pour la dernière collection. Donc, je me suis arrêtée là en rentrant du travail chez Undies et j'ai craqué. Je sais pas si je vous mettrai le vlog avant, parce qu'aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi toute la journée. Donc, vous comprendrez mieux peut-être si je vous mets le vlog avant. Enfin, je sais pas. On verra. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vous ai fait deux vidéos, un vlog. Et là, je suis en train de vous faire le haul. J'espère que vous verrez bien d'ailleurs, parce que ça y est, le soleil commence à tomber. Donc, Undies. Ils ont changé leur sac maintenant, c'est les sacs roses. Je crois que c'était bleu avant, non? Je sais plus, ça met le doute. Alors, je sors tout du sac pour éviter de faire du bruit. Alors, en tout premier lieu, je me suis trouvé deux suites. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux! Enfin, j'adore. Franchement, j'aime trop le style. Après, c'est vrai qu'il faut aimer, hein, mais moi, j'ai bien aimé. Donc, je me suis pris ce sweat-là en taille S. Il y a marqué Merlin Saved My Life. Merlin m'a sauvé la vie. J'adore. C'est trop mignon, je trouve. C'est sympa. Il est gris chiné. Il est super agréable. C'est un sweat, mais il est pas trop épais. Enfin, il est quand même bien doublé à l'intérieur, mais c'est pas le gros sweat épais. Ce qui veut dire que là, même pour les beaux jours, là, le matin, ça va être sympa, quoi. Ou pour le week-end, ou pour le soir. Parce que moi, j'adore prendre ma douche et me mettre après un petit sweat, un legging, et je passe la soirée comme ça. Donc je trouve super sympa. Par contre, les sweats, eux, ils n'étaient pas donnés du tout. Où est le prix? Bah, sur celui-ci, il n'y avait pas le prix. Ah si, il est là. Alors, comme je vous l'ai dit, je l'ai pris en taille S. Et donc, il m'a coûté 19,95€. Mais franchement, je l'ai trouvé tellement mignon que j'ai pas résisté. Je l'ai pris. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai pris un autre sweat encore en taille S. Je vais vous enlever au moins le truc collant, là. Pour que vous puissiez bien voir. Voilà. C'est mon préféré. C'est mon préféré parce que j'avais pas de sweat comme ça, gris foncé. Et en plus, les écritures sont roses et je trouve que ça ressort super bien. Et donc, il y a marqué « Cruella is my boss ». Attention l'accent, les filles. C'est fait exprès, hein. C'est pas... Hein, on se calme dans les commentaires. Bref, donc voilà, le petit sweat hyper sympa en taille S. 19,95€ aussi. Voilà, je me suis fait un petit plaisir. Je l'ai trouvé vraiment joli. Ils sont bien coupés, ils sont pas trop courts, etc. Enfin, franchement, je le trouve super joli. Et le rose est vraiment joli. C'est un rose, je sais pas, un petit peu rose bébé, un petit peu plus soutenu. C'est vraiment très très joli. Voilà pour ça. Et ensuite, je me suis pris des pyjamas parce que je manque de pyjamas. Du coup, enfin, moi, toute l'année, je dors en petit short. Donc, j'ai besoin de pas mal de shorts. J'aime changer très très souvent. Et du coup, je me suis pris celui-ci, pareil, de la dernière collection. Alors, je pense pas que ce soit Disney celui-là, mais c'est une des dernières collections. Et je l'ai trouvé trop joli avec les motifs un petit peu indiens, là, gris chiné, comme ceci, que j'ai pris en taille S, hyper confortable. Il est matière un petit peu survêt à l'intérieur, donc vous imaginez que là-dedans, vous êtes trop bien pour dormir. Voilà. Donc celui-ci m'a coûté 12,95€. Franchement, pour un petit short, il n'était pas donné, hein. Mais je l'ai trouvé trop beau, alors je l'ai pris. Et il y a des petits détails ici, voilà, tressés là. Non mais franchement, avec un petit débardeur noir là, vous êtes jolie même pour aller dormir. Mais pour moi, c'est pas parce que je vais dormir qu'il faut être moche. Du coup, bah, j'ai craqué. Et ensuite, j'ai pris un t-shirt comme ça, hyper fluide, hyper sympa, avec des petites poches là. Trop mignon, je trouve que ça fait un petit peu short de tennis, un petit peu trop chou. Là par contre, c'est un petit peu plus léger, mais c'est un coton qui reste hyper doux, hyper fluide. Pour dormir, c'est juste le summum du confort. Enfin, moi j'adore. Et donc voilà, tout simple, hein, rien derrière, etc. Juste le petit lacet à l'avant, ça va avec tout. C'est pareil, n'importe quel t-shirt. Donc cette fois-ci, par contre, j'ai pris en XS parce qu'il me semblait vachement... Enfin, vachement large, non, mais voilà. Je trouvais qu'ils avaient l'air quand même assez grands, même en XS. Normalement, ma taille, c'est S, mais là, j'ai pris XS. Et donc celui-ci m'a coûté 9,95€ en rose bébé, comme ça. Donc j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai pris le même en noir. Voilà, avec le petit lacet blanc, toujours en XS, c'est toujours le même prix, je suppose, oui, toujours 9,95€. Voilà. Et ensuite, j'ai pris deux débardeurs, pareil, qui ont l'air hyper confortables. C'est du S et vous allez voir comme ils sont larges, enfin, c'est trop bien de dormir avec ça, moi j'adore. Voilà, donc vous voyez, c'est tissu un petit peu transparent, hyper léger, voilà, donc rien de particulier, mais je pense que vous...
Vous allez vous rendre compte de la matière en vidéo, vous voyez, c'est vraiment très très léger, c'est un coton qui est très fluide, c'est hyper agréable pour dormir, j'adore ça. Et là on retrouve un petit peu le motif indien, donc ça doit être la collection un petit peu indienne là. Je regarderai de toute façon sur le site et je vous mettrai tous les liens en barre d'informations détaillés pour que vous puissiez cliquer et retomber sur l'article directement, parce que je sais que quand on est sur une vidéo, qu'il y a un article qui nous plaît, par exemple, ça m'est arrivé une fois de regarder une vidéo Zara, et de chercher l'article et en fait de retrouver juste le lien du site Zara, bah franchement c'est moins pratique. Donc là cette fois-ci j'essaierai de prendre le temps et de vous mettre chaque lien qui correspond à chaque article si vous voulez les retrouver. Et donc le petit haut c'est 4,95€, donc ça franchement c'est raisonnable. Pour un petit t-shirt comme ça pour dormir c'est parfait. Et j'ai pris le même en blanc, chiné, gris, noir un petit peu. Très joli, j'adore celui-ci. Donc celui-ci c'est pour aller avec le t-shirt noir et le noir c'est pour aller avec le petit t-shirt rose. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a eu un sacré bruit là, ouais. Doudou? Bref. Donc, le petit t-shirt blanc chiné, pareil, en taille S. Et vous voyez, franchement, je sais pas si vous vous rendrez compte, mais voilà, le taille S, il est quand même vachement large. Enfin, vous savez, ça va faire un t-shirt un petit peu loose, etc. pour dormir. Mais c'est tellement agréable. Oh là là. Voilà. Donc voilà pour mon petit craquage. Je me dis, j'ai pas acheté énormément de choses. Mais comme vous avez pu voir, rien que les deux sweats et le t-shirt un petit peu comme ça, là, indien, il m'a coûté un petit peu cher. Donc, mais franchement, c'est tellement mignon. Je me dis que ça, après, je les garde des années. Donc... je m'en fiche un petit peu, les sweats aussi, j'ai envie de me faire plaisir, donc j'ai craqué sur la collection. C'est vrai que Undies, ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils font tout le temps des nouvelles collections, on trouve toujours des petits trucs mignons, mais j'ai pratiquement... c'est pas ce que je voulais dire. J'ai particulièrement craqué sur cette collection. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez craqué. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao!